TikTok vient d'annoncer la fin du programme bêta pour la création. C'est-à-dire, désormais, les créateurs de contenu ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages liés à la version bêta. Nous savons très bien que la version bêta est un programme qui permet de rémunérer les créateurs de contenu de leurs efforts fournis. Et aujourd'hui, je viens de recevoir une notification, bien sûr, c'est un message qui est général, disant que à partir des 18 mars, le programme bêta ne sera pas disponible. Voilà les gars, moi ça c'est une mauvaise nouvelle pour les influenceurs, les TikTokers et les TikTokers. Nous savons pas, peut-être après la suppression de ces programmes, il y aura aussi d'autres outils de monétisation qui est plus rémunératrice, puisque pour le moment, la rémunération TikTok, quand on essaie de comparer aux autres plateformes, on voit que TikTok ne paye seulement que des miettes. Si vous ne faites pas de milliers, voire des millions de vues éligibles, vous n'allez toucher presque absolument rien. Mais avec tout ça, le patient que j'en ai, maintenant on vient de recevoir une notification disant que le programme sera définitivement supprimé le 18 mars. Voyez les gars, moi ça c'est une mauvaise nouvelle pour les créateurs du contenu TikTok. Mais nous savons pas, peut-être TikTok va nous surprendre en ajoutant aussi une autre manière de rémunérer les cadres de côté. Là, on ne sait pas, les gars. Vous aussi, qu'en pensez-vous de ces changements? Dites-moi dans les commentaires. Et je vais vous aussi informer, vous donner toutes les informations concernant la nouveauté si je reçois de la part de TikTok. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et bientôt, on se retrouve à la prochaine vidéo.